Salut tout le monde. Une petite éternité qu'on ne s'était pas vu sur une vidéo. Je sais qu'on a vraiment fait très très peu de sorties cette année. Et là aujourd'hui, vous me voyez dans une config sortie journée quoi. Je suis sorti quelques heures en fait. On est dimanche. J'avais un créneau, l'agenda s'est libéré, donc je suis pas très très loin de la maison. Et je suis sorti pour aller me faire plaisir un petit coup, en gros faire un feu, faire un café, etc. Sachant que donc il y avait une semaine de pluie mixée avec un petit peu de neige, mais qui n'a absolument pas tenu. On n'avait pas les températures nécessaires. En revanche, sur les aires de jeu, dès 800 mètres, on a le tapis blanc. Donc ça, il va falloir rapidement qu'on s'organise quand même une sortie pour aller goûter ça. Et puis bah là aujourd'hui, au camp de base, donc ce truc que j'ai fait il y a maintenant depuis février 2014. Donc dans 3 mois, il aura 3 ans. Je suis plutôt content du truc parce qu'il a super bien tenu. Quelques-uns du village à qui je l'ai montré volontairement aussi un petit peu le connaissent et l'utilisent de temps en temps, et il s'avère que tout le monde le respecte parfaitement, enfin le respecte. En tout cas, il est debout, rien n'est déchiré, rien n'est défoncé. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de revenir sur cette petite zone, puisque voilà, comme vous le voyez, c'était ma partie introductive de la vidéo. Tout est détrempé, je voulais vous montrer un petit peu, sans jamais être dans le profil professeur, c'est qu'on n'aime pas trop ça chez nous, sans vous donner la leçon en gros, mais simplement donc profiter de Oh putain, de cette sortie voilà pour où tout est détrempé pour faire du bois, faire du feu du moins en config mouillé. Putain, 2 heures pour faire un truc qui tenait comme ça quoi. Comme vous l'avez vu, je l'ai pas rapidement montré, mais j'ai choisi en fait, je suis allé tourner en forêt pour choper un bout de bois, un truc qui était mort sur pied, mais sur lequel on sentait bien la densité, qu'il était encore plein, pas pourri, puisque quand tout est mouillé comme ça, le bois a tendance à vraiment à dépérir à toute vitesse. Et quand on le coupe, on le voit, on a une coupe qui n'est pas franche, pas nette, puis on a un truc qui est léger, on sent. Hein. Et là, celui-ci donc était vraiment parfait dans la config. Alors j'ai un peu triché à l'allumage, comme vous l'avez vu, puisque je me suis préparé moi des boulettes de paille mélangées en fait à de la résine de pin avec quelques morceaux de pin, etc. Pour me faire un peu la batterie. Mais bon, ça marche aussi avec du feather stick, en prenant le temps de le faire, donc sur ce type de bois là. Faut juste effectivement, comme il est quand même malgré tout un petit peu humide aux extrémités, en faire une quantité non négligeable pour être certain d'embraser le truc. Après, vous avez vu la stratégie, hein. Moi, c'est mon truc en fait, dans l'idée où le bois, de toute façon, on le sait, est mouillé, il va fumer, donc je profite en fait pour rapidement créer un empilement autour de la source de chaleur, histoire de commencer à sécher tout ce qui est autour. Et puis après, vous avez vu, je recharge par le milieu, donc avec le petit puits que j'ai, pour rebooster tout ça en gros, hein, puisque tout a tendance à s'affaisser avec les braises derrière. Et que si vous démarrez ça comme ça, en montant juste avec quelques brindilles au fond, et puis que vous montez la tour autour, le feu va très vite s'affaisser puisque la source de chaleur va. Eh ben voilà, il s'est cassé la gueule maintenant, mais c'était prévu. Si vous ne rechargez pas par le milieu, en fait tout va s'affaisser et on va passer du petit bois à du trop gros rapidement pour le feu, et il aura tendance à s'étouffer et à soit baisser fortement en température, il va falloir souffler comme un âne, soit il va s'éteindre. Et là donc clairement c'est un truc, moi je trouve, qui fonctionne bien, qui le fait bien marcher. Bon, je vais le remettre un peu en tape proprement parce que là il est un peu dégueu. Voilà, on est passé en phase 2. Donc phase 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire je charge comme une mule. Et puis c'est parti quoi. Donc là, je suis allé chercher le reste de ce que j'avais trouvé mort sur pied là que j'ai abattu. Je l'ai fendu en demi-section. Hein. Là, je m'emmerde plus là maintenant. On part pour du gros. Il est quoi là? Il doit être 13h, 13h15. D'ici à 30-40 minutes, tranquillement, j'aurai les braises qu'il me faut pour me faire le café, la bouffe. Me poser quoi. Je me suis fait une petite réserve, donc vous voyez là ce que je vous disais là. Quand le bois est pourri, on le voit tout de suite, hein. Même le trait de scie là, ici là, il est pas propre du tout, il est granuleux. Ça c'est du bois de merde, c'est de l'allumette quoi. Et puis là par contre, la longueur là qui est au sol là, c'est ce qui me reste, ça c'est du top. Là vous démarrez un feu même sous la neige, sous une averse ou quoi que ce soit. Bon, c'est pas tout ça. Je vais me poser un peu, m'installer plus tranquillement, si jamais l'envie de venir me venait éventuellement de me sortir un bouquin et de me poser tranquillement à coucher, machin. Après la bouffe, je vais tout me préparer, histoire d'être tranquille. Je vais rester, je pense, jusqu'à 18h30, 19h, histoire d'avoir le plaisir de rentrer de nuit. Et puis avec ce qu'il y a comme bois, on va laisser aller, hein. Ça va aller tout seul.
Bon, voilà, comme j'avais un petit peu peur que ça s'arrête, hein, j'ai rechargé comme une brute. Et j'ai fait la méthode dite de l'ogive. Donc on met un missile en fait au milieu, un truc qui fait bien 25 cm de diamètre à minimum. Et on charge par-dessus avec du débité. Et puis là, on a quelque chose d'à peu près durable, où raisonnablement, on peut se dire pour les 20 prochaines minutes, je devrais rien avoir à recharger. Ça présente en plus l'intérêt d'offrir un établi, ou du moins une plaque de cuisson stable. Puisque là, bah, j'ai simplement dégrossi avec ma lame de couteau au niveau de l'écorce pour faire un petit plat. Et sur ce plat, je peux poser ma bouilloire tranquillement, qui est en train de prendre le chaud, mais sans se faire pourrir en plus le fion par la fumée et les trucs comme ça. Que de la belle stratégie et que d'intérêt effectivement à faire des feux de malade, comme vous le voyez. Si ce n'est que bon, là maintenant je suis parti pour rester un moment à côté, puisque celui-ci, hors de question que je parte en le laissant allumé. Et que bah, heureusement, j'ai la rivière à 200 mètres à peu près. Mais celui-ci, il va falloir faire quelques allers-retours parce que là, je vais avoir une quantité de braise phénoménale. Donc voilà, je voulais me faire plaisir. Bien évidemment, c'est pas l'habitude de faire des machins pareils. Mais la méthode de l'ogive, c'est pas mal. J'en profite pour vous faire une parenthèse rapide. Pareil, j'aime pas spécialement faire des revues d'équipement sur des trucs tout neufs que je viens de déballer du carton. Ça a toujours pas, je trouve, pas énormément de sens dans la mesure où il n'y a aucun retour d'expérience lié à ça, puisque c'est joli, c'est tout neuf, machin, et puis après, on essaye et c'est de la merde. En l'occurrence, c'était le cas, moi, pour la popote Clean Cantine, je crois que ça s'appelait, ouais, c'est ça, un truc comme ça, enfin le machin où ça est tout chromé, c'est joli, on peut suspendre, c'est magnifique, hein, on se prend pour un pionnier. Alors, pour faire bouillir des patates ou en tout cas faire chauffer de l'eau, une soupe, ce genre de conneries, c'est génial. Par contre, dès qu'on veut cuire des patates sans eau, genre rissoler, ce genre de conneries, bon, c'est pas la peine, quoi. En gros, faut aller acheter une décapeuse thermique pour démonter le fond de la poêle, là, essayer vaguement de le récupérer. Enfin, c'est vraiment des merdes sans nom, quoi, ces trucs-là, quoi. Donc, j'étais vachement déçu, moi, de ce merdier. Et j'avais, en parallèle de ça, acheté il y a pas mal de temps une popote de chez GSI Outdoor. Donc, qui était la soloiste minimaliste avec un petit nom complémentaire, putain, je ne retrouverai plus, mais qui en gros fait pas. Bah, Pinnacle, voilà, Pinnacle, enfin j'en sais rien. Et en gros, c'est la spécificité de cette gamme qui est donc hyper légère et avec un revêtement entièrement téflon. Donc là, en gros, c'est les mêmes gamelles que ce que vous avez à la maison, que madame achète à 80 balles la poêle. C'est d'ailleurs à peu près dans les mêmes ordres de tarifs, hein, c'est pas donné. Donc la minimaliste, la soloiste, là, donc une personne, elle était absolument géniale, mais petite. Et comme mes deux potes bouffeurs de cigogne, là, m'obligeaient, enfin pas m'obligeaient, mais je me sentais obligé, on va dire, voilà, effectivement, de participer quand même, et d'arrêter de venir avec ma boîte de sardines et un paquet de chips, et puis de faire un petit peu comme eux, et d'emmener du légume du bordel. J'ai acheté donc une popote plus grande, deux, trois fois, et puis là, je viens d'être tenté finalement par GSI, et j'ai enfin trouvé mon bonheur total. Donc j'y viens, voilà, je vous la présente rapidement. C'est la Backpack Camping de chez GSI Outdoor. C'est encore une série Pinnacle parce que je voulais encore ce côté léger, super pratique. Alors chez GSI, le principe c'est ça, c'est que l'emballage est aussi donc une bassine. Et ça, la dernière fois qu'on a refait encore une petite salade là, en sortie avec Tom, c'était simplement génial de pouvoir laver ses légumes à la rivière avec ça, etc. Laver sa popote d'après, enfin vous en faites ce que vous voulez. Ça peut même faire le bac pour la toilette le matin. Plein d'utilisations. Après donc on a la gamelle à part entière. Donc c'est une un peu plus de 2 litres je crois. Hein. Peu importe. Mais là effectivement pour 4 personnes on commence à nettement moins rigoler. On a ce qu'il faut quoi, en place. Avec en plus quelque chose que j'adore chez GSI, c'est que tout est fait de manière hyper sérieuse. Voilà, là on a une petite poignée. Tac, on va passer ça ici. Terminé. Ça tient. Elle est faiblement conductrice en chaleur, donc en plus une fois qu'on récupère ça sur le feu, on ne s'arrache pas la peau des doigts, on la laisse pas sur la poignée. Et surtout, ben là pour vous dire, la dernière sortie avec les gosses, j'ai fait fondre du chocolat, on a caramélisé avec des pommes, du bordel, enfin vous imaginez le merdier au fond de la poêle. J'ai juste refait chauffer dans un petit peu d'eau, enfin du moins j'ai remis un petit peu d'eau et j'ai remis sur le feu. Quelques minutes, le temps que ça frémisse, et j'ai pris, comment ça s'appelle, de la mousse, je suis passé, le truc était neuf, quoi. Donc l'avantage c'est qu'on a cette grosse popote. Qu'à l'intérieur on a deux paires de gobelets comme ceci. Donc soit on les répartit comme ça et on a les quatre et ça permet de compartimenter son truc. Soit, hop là, on a également le principe c'est qu'ils s'enfilent les uns dans les autres. Donc on peut avoir deux bacs qui en fait représentent quatre pots complets.
Et avec en plus la perfectivité, toujours pareil, ils sont parfaits chez GSI. Voilà, les petits couvercles de boîte. Donc soit pour y mettre des choses qu'on ne veut pas faire tomber pendant le voyage, soit avec les petites ouvertures pour boire tranquillement. Lorsqu'on a un truc chaud notamment. Et ici, donc avec le protège-chaleur pour éviter de se brûler la main, encore une fois. Alors déjà là, c'est génial. Mais en plus, ils vont plus loin chez GSI. Et c'est là où je les aime fondamentalement. On a ici le petit couvercle marmite. Donc là, en gros, il ne faut pas le mettre dans les flammes, comme vous pouvez l'imaginer. Il s'agit de se mettre au-dessus des braises avec une grille, typiquement. Et puis là, on peut effectivement supporter. Le truc, en gros, tient jusqu'à 200-220 degrés, quoi. Mais ça permet effectivement de faire passer des trucs en vapeur ou des choses comme ça. Après, ça permet aussi, naturellement, comme d'hab, si vous faites du riz, de passer là-dessus et puis dégoûter son riz, naturellement. Et puis enfin, bah, si on s'arrêtait là, ce serait déjà génial. Mais j'ai ici, ils sont absolument féeriques. Je récupère ma poignée et j'ai ici une petite poêle à frire. Et alors là, pareil, celle-ci. Sincèrement, hein, vous balancez un œuf là-dedans, vous mettez même pas de beurre, pas d'huile. L'œuf, il se promène sur la poêle, quoi. Il n'y a rien qui adhère là-dessus. C'est absolument génial. Donc, pas donné, il faut se l'avouer, hein, parce que j'ai payé ça quand même pas loin de 130 balles de mémoire sur camps.fr. Pour tout ce qui est gamme GSI, de toute façon, entre Arclight et Camps, vous avez l'essentiel de la gamme et c'est vraiment quand même moi la meilleure marque que je recommande, sans déconner, hein, pour tout ce qui est popote et choses comme ça. Voilà, comme il n'y avait pas vraiment de programme dans cette vidéo, je me suis dit que j'allais vous parler un peu popote. Un des meilleurs moments de la sortie. Bon, ça y est, là il pleut. Attends, comme j'adore en Alsace. On n'est même pas au milieu d'heure, enfin si, on doit être à peine au milieu d'après-midi, mais avec ce genre de météo, tout de suite on est plongé dans l'obscurité. Il y a une espèce de demi-pénombre comme ça, là, c'est... Tout est statique, tout est mort, j'adore. Bon, c'est un vrai temps de grenouilles et escargots, hein, c'est... Faut pas se leurrer, mais... Je sais pas, ça donne une ambiance particulière à la forêt. Bref. Là où j'ai sorti mon arme mort sur pied, là, j'ai vu qu'il y en avait un deuxième. Et du coup, j'avais bien envie de me le faire. Sachant donc que celui que j'ai récupéré était ici. Donc il était affaissé en fait. Et il reposait sur celui-ci qu'il était en train de faire plier. Et puis qu'il allait donc tuer. Donc celui-ci, je m'en suis occupé. Et puis j'ai vu donc qu'il retombait sur. Qu'il reposait du moins sur celui-ci là. Qui est également complètement ébranché, sur lequel il n'y a plus rien. Donc je pense qu'on va s'en occuper. C'est toujours ça de mise au propre dans la forêt. Il y a déjà une partie de la souche qui est bien soulevée ici. On va se méfier là parce qu'il doit être en tension comme ça, il doit être prêt à partir par ici. Mais plutôt ici. Hein. C'est vraiment ce que je disais. Prends attention. Il est prêt à attraper celui-là. On y va doucement.
Là, ça y est, ça démarre. T'as un truc pour commencer, dire bonjour, ça y est. Mais j'ai déjà dit bonjour. Bonjour. Bon, de retour au camp. J'ai fait mon petit défouloir bois, puis en rentrant, j'ai une petite surprise. Bonjour. Tu me guignoles déjà devant la caméra? Non, non. Il y a mon fils qui m'a rejoint, en fait, c'est bien, il sait où est le camp, donc il l'a retrouvé tout seul, c'est la première fois. Du coup, vous voyez, t'es le père, t'es le fils. C'est lui qui a chargé le bois. T'as chargé comme une mule, quoi. Oui. Et puis, bah, du coup, on va se finir l'après-midi tranquille, ici, posé. Donc, présentation officielle des White Stork Junior, hein. Le fiston qui sera la relève. Maël. Bon, puis maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On leur monte la balançoire. Ah, j'ai pas amené la corde pour faire la balançoire. Mince. Bah, les chemins d'animaux. D'animaux. Les champs d'animaux? Les chemins d'animaux. Ah, les traces, les voies. Et après, le trou de blaireau. Ah, le trou de blaireau, faudra se dépêcher d'aller le voir avant qu'il fasse trop nuit, ouais. Bon, on va profiter, hein, entre père et fils, tranquillement, pour finir le dimanche. Dame. Non, mais sérieux, c'est une chaîne de bushcraft, c'est pas une chaîne de foot. Non, c'est pas pour le foot, c'est aussi pour le scout, on le fait. Hein. Au scout, vous le faites? Ouais. Le dab? Et c'est quoi, c'est le signe de reconnaissance? Je sais pas, moi. D'accord. Attends, c'est où? Faut essayer de pas trop trembler. Hein. Là, on y arrive. Ouais. Si vous voyez, il y a un petit chemin, mais ça se voit pas trop. Regarde, on le voit mieux à droite, là. Ah, ouais. Attends, j'arrive pas trop à bien le voir. Là, plein milieu de l'écran, là, voilà. Là, on a une petite voie de passage d'animaux, là. Et là-bas, normalement, on a un genre de truc comme un trou de lapin ou un truc comme ça. Là-bas? Ah, je sais pas, j'avais pas vu là-bas, moi. Je vais pas aller voir. Mais si, je t'avais déjà montré, il y avait plein de bois. Hein. Un gros truc de bois. C'est moi qui filme, hein. C'est pour ça que je filme mal. Ouch. Il est où? Non, je suis pas sûr que c'est un truc de lapin. Ah, là, il y a le chemin. Essaye de pas gigoter dans tous les sens. Bref, je le vois plus. Bon, la nuit tombe. J'avais pas spécialement prévu d'être rejoint par le fiston, mais ça fait toujours plaisir, mais du coup je vais rester moins tard. Un tome en puissance celui-là, il va faire le con à chaque fois qu'il sera devant la caméra, super. J'ai gagné. Quoi? Non, non, rien. Donc pour ce soir on va couper. Je vous rappelle la thématique de la vidéo qui était malgré tout un petit peu dans tous les sens. C'était simplement un petit moment défouloir en fait avec la hache, le feu dans la, en milieu humide. Vidéo un petit peu plutôt off, en tout cas sans parole, c'était pas, j'avais pas trop envie de raconter exactement comment on faisait. Et puis on finit du coup avec la surprise, Tom Pouce White Stork Junior, micro moi, qui dab à tout va ce guignolo. Bon voilà, prochaine sortie prévue entre Noël et Nouvel An, il y aura un bushcraft de Noël. On va aussi vous montrer un trou de blaireau. Je sais pas si on y verra encore quelque chose quand on va repartir. Bah si tu mets la lumière en même temps. On verra ça alors à ce moment-là. Et bah d'ici là la bise. Allez, à tchao. À tout le monde. Salut.